Yop tout le monde, vous allez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver après avoir sorti ce vlog que vous avez grandement apprécié. Vos retours m'ont fait super plaisir et m'oriente à continuer de tels contenus. Nous sommes dans l'introduction, donc j'en profite également pour vous annoncer que ce samedi, là, dans quelques jours, je vais participer l'après-midi, je pense, aux alentours de 14h, à une session de playtest du nouveau shooter sorti par Wargaming. Vous pouvez également participer avec moi, il y a le lien dans la description, c'est une session qui durera à peu près 2 heures, c'est histoire de tester ce nouveau jeu, et si vous testez ce nouveau jeu et qu'à la fin vous répondez à un petit questionnaire, vous avez 10 euros à gagner en bon d'achat, donc n'hésitez pas à venir jouer avec moi pour tester tout ceci, puis peut-être, qui sait, je ferai une vidéo quand celui-ci sera sorti dans quelques semaines. Voilà pour l'introduction, on va continuer maintenant et bifurquer sur la vidéo principale. C'est parti. Maman, regardez-moi ce flow dantesque, les amis. Il y avait quelque chose hein, au niveau des spécialistes, tout ça. Visuellement parlant, ils étaient plaisants à regarder, à défaut d'être sympathiques à jouer avec et contre, surtout. Parce qu'avec, à la rigueur, il y avait des fun. Mais réellement, c'est ce que je dis souvent. Oula, c'est quoi cette grosse sensible? Attends. Hop, oui, bah 12 de sensible, toujours plus. Alors, ce que je dis, c'est que c'est la première fois que je retourne sur Black Ops 4 depuis la fin du jeu, d'accord? Je n'étais jamais retourné dessus. Vous le savez, hein, il y a plein de Call of Duty sur lequel je retourne de temps en temps. Récemment, j'ai refait par exemple ce qui vient de prendre. Hop, j'avais refait par exemple MW2, c'était assez cool. Aïe! Aïe! Je l'ai cuté, ça n'aura pas suffi. J'avais refait MW2, c'était sympathique. D'ailleurs, la vidéo est grave cool, je vous invite à aller la voir. Elle a pas eu le succès escompté, mais ce n'est pas grave. Et le fait là de retourner sur BO4, donc tu te doutes bien, hein, quand je retourne sur un ancien code, je fais une petite game de show. Voilà, c'est très important. Même Rocco Siffredi s'est chauffé avant de performer. Donc bon, on va pas déroger à la règle. C'est très important d'être prêt quand tu te relances sur un truc. Donc je m'échauffe aussi parce que du coup, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et vraiment, quand je suis arrivé sur le jeu, j'avais cette impression bizarre que ce jeu est un enfant. Est un enfant bâtard de la série. C'est un enfant bâtard de Call of Duty Black Ops 4. En fait, déjà, j'ai pas l'impression d'être sur un code. C'est aussi simple que ça. T'as pas l'impression d'être sur un code. Alors, après, on peut pas leur reprocher de pas avoir voulu innover. Hein. Y a plein de trucs qu'ils ont essayé sur ce jeu. Aïe, aïe, j'ai que des points. Merde, dommage, j'avais pas de secondaire. Il y a plein de choses qu'ils ont voulu essayer sur ce jeu. Ils ont voulu pousser des délires un peu plus loin. Je pense notamment aux spécialistes qui étaient assez réussis sur Black Ops 3, qui réussissaient dans l'ensemble à ne pas être trop toxiques. Sauf que là, forcément, hein, tu connais Activision. Ils ont vu un petit délire qui a fonctionné. Je pense qu'ils ont vu le succès de BO3, forcément. Ni une ni deux, ils ont pas pu s'empêcher de forcer comme jamais dessus et nous donner un jeu, mais vraiment, moi je me rappelle un des trucs que j'ai... Oups. Un des trucs que j'avais au final le plus kiffé sur Black Ops 4, ça avait été, je sais pas si vous vous rappelez, le mode sans spécialiste. À un moment, ils avaient mis un mode sans spécialiste et moi, j'avais vraiment kiffé parce que les spécialistes étaient trop toxiques, que ce soit le spécialiste, alors je me rappelle même pas tous, mais les fils de barbelés, tous les différents âges où j'ai même vu là, c'est le spécialiste que j'ai là et j'ai vu dans une killcam, J'étais choqué. Un spécialiste nommé Spectre qui saute de partout et qui met des coups de katana. Là, vous le voyez, je l'ai bientôt débloqué. Quand je l'aurai... Oh là, il a mis du sale, là. Je vais vous montrer ce que j'avance, mais sur ça, sur les spécialistes, ils ont vraiment déconné et ça avait rendu le jeu grave toxique. Après, qu'ils veuillent tenter des choses, franchement, moi, je suis pas du tout contre. Mais regardez cette horreur! Voilà, quand je parle de spécialistes de merde, ça, le chien, les barbelés, c'était de la merde, on va pas se le cacher. Et pour ces différentes raisons, que ce soit les spécialistes, les maps, elles étaient sympas. Pareil, je trouve que le jeu était assez frais, mais l'ambiance mi-futuriste, mi-chelou, vraiment, ça... Pourtant, je trouve limite que... Enfin, je trouve vraiment que c'est pas un mauvais jeu, mais je dirais que déjà de la série Black Ops, pour moi c'est le pire. C'est-à-dire que je préfère largement Call of Duty Black Ops Cold War à celui-ci. Alors Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1, bon on en parle même pas, hein, ça rentre même pas dans le débat. Et donc déjà t'as tous ces trucs bizarres qu'ils ont voulu essayer et qui ont pas forcément fonctionné. Oh là là, ce truc, regarde-moi. Et là je peux pas avancer, je peux rien faire. Enfin si, il doit bien avoir moyen de le détruire, c'est sûr, mais bon, vas-y, la flemme. Et entre ça et entre également le mode League qui nous ont remis sur Black Ops Cold War, mais c'est pas grave, faut pas le dire. Donc le mode League un petit peu chelou. Attends, il doit être côté droit. Ouais, mais j'allais dire qu'il devait être côté droit, on va y aller, mais frère. Il était prêt, lui, hein. Reviens, petit. Ah, il est revenu, le petit. Reviens. Maintenant que je suis vraiment là en headbeat, je lui dis reviens. Ah, voilà, voilà. Il y a des spectres. Ah, c'est ça. Alors, désolé si vous connaissez pas. Donc, là, je vise. Et là, je fais une roulade. C'est roulade. Oh là. Bon. Vous avez vu. Hop, roulade. Hop, roulade. Hop, roulade. Hop, roulade. Oh, ça va, mais allez l'ont tué. Mais vous avez vu ce que je vous disais? Hop, on récupère un pack d'assaut. Regardez-moi ça.
On dirait que c'est du Call of Duty, ça. Bah après, c'est drôle, franchement, pour être honnête, c'est drôle. Je peux pas dire que c'est naze, tu vois, mais c'est pas du code, ça. It's not la licence that I loved. C'est très bizarre. Alors en plus, j'ai du mal à trouver des ennemis. Bon, par contre, il y a des trucs qui avaient fait kiffer sur ce jeu. C'était tous les remakes qu'ils avaient fait. Alors paradoxalement, dire que j'ai kiffé des remakes, je trouve aussi que dans les maps qu'ils avaient apportées, il y en avait des cool, d'accord. Mais les remakes qu'ils avaient rapportés étaient très sympas. Vous vous rappelez, à la sortie, on avait Slums, on avait Firing Range Night aussi. Il y avait Summit, c'était un petit plaisir quand même. Et au final, je garderai de bons souvenirs parce que... Bah notamment le premier mois de sa sortie. Je vais pas trop cracher dans la soupe, j'avais fait beaucoup de vidéos YouTube, je m'étais vraiment bien amusé. Sur les armes, etc., il y avait des choses très réussies, le sniper, tout ça, même le HBR Paladin, je crois il s'appelle. J'avais trouvé très très cool, j'avais pris beaucoup de plaisir. Mais bon, après, encore une fois, ils ont fait la spéciale des jeux pré-2018, parce que maintenant, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Enfin, objectivement, je pense qu'on peut dire que c'est largement moins le cas. Mais c'est-à-dire qu'ils ont sorti le jeu, puis ils ont arrêté de s'en occuper, quoi. Oh là ! Petit coup de... Reviens, petit. Reviens, petit. Je te chasse. Je te chasse et bah je prends bite au cul. Je suis mort. Tiens, on va changer d'arme un petit peu, même si je suis que niveau 28. Donc ils nous ont fait la spéciale 19-6, ça va, ça se passe bien. À savoir sortir le jeu et arrêter de s'en occuper. Donc c'est-à-dire que le jeu, au bout d'un mois, un mois et demi, il avait déjà plus d'update. Donc plus personne ne jouait. Enfin, c'était plus super intéressant de produire quoi que ce soit dessus. Ni d'y jouer. Et c'est ce qui a fait bah que c'est dommage. Bon, au final, ce jeu peut être considéré peut-être comme un gâchis. C'est-à-dire qu'il aurait pu être mieux que ce qu'il a été. Et je suis sûr que certains auront de très bonnes choses à dire à son propos, genre là dans les commentaires et tout, je suis sûr que certains vont dire ouais, moi Black Ops 4 j'avais bien kiffé. Objectivement, je dirais pas que j'ai détesté, genre le mot détester serait fort, mais je dirais que c'est dommage, voilà, un petit peu sentiment de gâchis. Et puis voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette licence, dis-moi, Black Ops 4, impérissable, bon souvenir, mauvais souvenir, vous aviez kiffé ou non? Bon, bah voilà, c'est classique, hein. Vous connaissez, on fait parler les gens dans les commentaires pour avoir de l'engagement et un peu plus de ratio YouTube. Enfin, ça va, on rigole, on est calme, on est calme. Let's go. D'ailleurs, vu qu'on parle de Call of Duty, je me permets. Ces derniers temps, si vous suivez Zaccord au Libre, mon talk show où je reçois des invités, j'ai reçu des invités hyper intéressants ces derniers temps. Donc j'ai eu Sardoche, j'ai eu Poisson Fécond, j'ai eu Manu Ferrara. Vraiment le feu, tu vois. Je suis très content des émissions que j'ai pu faire ces derniers temps, et vous aussi, hein, je vois les retours, hein, je suis là, mes gars sont contents, donc je suis content, tu vois, logique. Et vu qu'on parle Call of Duty, et vu que je veux continuer sur ce train qui consiste à recevoir des invités lourds... Oups, mon chou. Léger, professionnel, tu connais. Je vais recevoir normalement la semaine prochaine Lolo, Lowan, mes amis, le frérot qui est devenu maintenant un top streamer via Warzone, etc. Il va passer dans Zaccord au Libre, sera diffusé comme d'habitude sur la chaîne Vitality, puis il y aura la VOD, je vous la linkerai sans doute sur YouTube, quoique il faut encore que j'y pense. Hein. Oh, j'ai eu tellement peur. Aïe, non. Ah, je suis mort. Non, ça va, je suis en vie. Hop, regardez, là j'ai repris mon spécialiste. Hop, roulade. Non. J'en aurais même pas profité. Je suis vraiment mauvais. Donc ouais, Lolo, diffusion sur la chaîne Twitch Vitality, parce que c'est chez eux maintenant que je fais mes émissions. Et puis dès le lendemain sur YouTube en VOD. Stay tuned, mes frérots. 91-59, ça va, ça se passe bien. Tout roule. Ah, je suis de très bonne humeur. Et pour en revenir à ce que je disais dans l'intro, en dehors bon, de la petite OP et tout ça machin. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir tester le jeu avec moi samedi prochain. Toutes les informations, encore une fois, sont dans la description. Hop là, let's go. Petit double kill. C'est que je vous remercie des retours énormes que vous m'avez fait sur le vlog. Quelle petite fierté de se diversifier, de sortir des contenus RL et de vous voir kiffer. Et c'est ce qui me permet aussi de vous dire que le deuxième épisode du concours de blagues sort. Hop là, monsieur, ce dimanche, deuxième épisode du concours de blagues sur YouTube. Ce sera une masterclass avec toujours le même monteur au programme, aux commandes, je dirais. C'est toujours pas fini, il manque qu'un kill. Hein. Ouais, j'allais dire, wesh, ouais, quand même. 36 à 9, 4 de ratio, numéro 1 de la game. Est-ce que il y a quelque chose de plus à demander? Non, je ne crois pas. Dimanche, concours de blagues, et puis pour le reste, en continu, des vidéos comme vous connaissez, comme vous aimez. Moi, je suis toujours aussi open aux suggestions, donc si vous avez envie de voir un truc en particulier en vidéo, n'hésitez pas, je lis vos commentaires, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout le soutien, merci pour tout ce que vous apportez de manière générale dans ma vie. J'espère que mon activité vous fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Très important d'être abonné à la chaîne, à lâcher un petit like, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.